Bon, dans cette vidéo, je vais parler de la Saint-Valentin. Je vais vous dire pourquoi est-ce que moi, bon, personnellement, je n'ai aucun problème avec la Saint-Valentin. J'apprécie le fait que cette journée existe pour que les gens puissent montrer à quel point ils s'aiment. Mais ce que moi, je pense de la Saint-Valentin, c'est mon opinion personnelle. Chacun dit ce qu'il veut et tout. Bon. On prend ça comme ça. Bon, la Saint-Valentin, dans nos esprits, c'est à 90% le jour où il faut prouver qu'on aime son copain, sa copine, sa femme. À 90%. Or, il n'y a pas que ces gens qui nous sont chers. On a aussi la famille. Vous pouvez aussi montrer à votre père que vous l'aimez ce jour. Vous pouvez aussi montrer à votre mère que vous l'aimez ce jour. À votre fils ou votre fille. Mais dans la plupart des conversations que tu vas entendre, où les gens parlent de la Saint-Valentin, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est-à-dire copain, copine, homme, mari, fiancé et tout. C'est rien que ça. C'est le jour là-haut que tu dois montrer que tu aimes ton partenaire. Je ne connais pas l'histoire de la Saint-Valentin, même sur le net ou Wikipédia, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent de ça. Mais comme tel est le cas, selon mon expérience avec la Saint-Valentin et les histoires, les commentaires concernant cela, moi, j'ai toujours vu que les gens veulent ce jour prouver un signe d'amour envers leur partenaire. Et moi, je ne crois pas que l'amour existe. Moi, je ne crois pas que dès le départ, quelqu'un aime quelqu'un dans le sens de l'amour. Moi, je crois d'abord que les gens plaisent aux gens. Quelqu'un plaît à quelqu'un d'abord. Ça, c'est ce que moi, je pense. Bon, je vais parler des femmes, pas moi, c'est un homme. Vous devez d'abord plaire à une femme. D'abord. Si vous ne plaisez pas à une femme, elle ne va pas vous aimer comme elle s'aime elle-même, d'abord, avant de vous aimer avec son cœur et tout. Ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord que vous soyez attirant, qu'elle trouve que vous la plaisez. Ensuite, elle va aimer votre environnement. Elle va aimer quand vous êtes là. Elle va aimer votre présence. Par exemple, passer le temps avec vous, faire les commentaires. Peut-être parce que vous êtes drôle ou vous dites les choses qu'elle aime entendre. Vous avez de bonnes histoires. Il y a toujours quelque chose pour lesquelles... Il y a toujours quelque chose dont la femme... Où les femmes vont toujours vouloir que vous soyez là parce qu'il y a quelque chose de bien que vous allez apporter. Il y a quelque chose de bien que vous faites. Ça les rend heureuses. Et elles aiment votre environnement. Elles aiment quand vous êtes là. Donc, après qu'elles vous trouvent bien, c'est-à-dire elles vous aiment comme elles s'aiment elles-mêmes, donc vous la plaisez, après ça, elles aiment votre environnement. Bon, maintenant, il faut que votre environnement la manque. Donc, les choses que vous faites, peut-être vous êtes quelqu'un qui fait les bonnes blagues, elle aime ça. Et puis, quand maintenant, cette humeur-là, quand elle n'a pas cette humeur-là, elle recherche. C'est comme ça donc qu'elle va vous rechercher. C'est comme ça donc qu'elle va vous écrire, vous demander où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est la troisième.
Ça, c'est la troisième des choses. Donc, il faut que vous la plaisez. Il faut que votre environnement l'intéresse. Et la troisième des choses, il faut que votre environnement la manque. Il faut qu'elle ait besoin de votre environnement. Il faut ces trois choses-là conditionnent l'amour que vous voulez célébrer le 14 février ou c'est le 15 février là. Moi, je ne sais même pas où c'est le 13 février. Je ne sais pas. Mais je pense que ces trois choses-là conditionnent l'amour. Avant qu'une fille tombe amoureuse de vous, elle se met à vous aimer avec son cœur. Il faut que ces trois étapes-là, aient lieu. Donc, cessez de croire qu'une femme vous a aimé juste parce qu'elle vous... Je ne sais pas. Non. Il y a ces trois étapes-là qui vont traverser leur esprit. Elle vous apprécie, elle vous aime comme une personne, comme elle s'aime elle-même. Elle aime votre environnement et votre présence. Et votre présence et votre environnement, votre humeur, la manque. Après ces trois étapes-là, donc, elle peut se mettre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le sentiment qui vient en quatrième position. Parce que le fait qu'elle va vous manquer va créer en elle un sentiment. Un sentiment de joie ou de tristesse. Bon, maintenant que le sentiment soit un sentiment de joie ou de tristesse, c'est ça qui va créer en elle l'amour pour vous. C'est tout ce que je vais dire. Je vais m'arrêter là. Comprenez ça comme vous voulez. Interprétez ça comme vous voulez. Si vous avez des questions ou bien des réponses, écrivez dans les commentaires. On peut en discuter. Je peux refaire une autre vidéo. Je peux m'expliquer une fois de plus. Si vous pensez que je dois revenir là-dessus, vous pouvez le dire. Et puis maintenant, je reviendrai sur le sujet. Et on se voit après.